Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2. Quelque chose. Je suis toujours malade, c'est la fête et nous allons reprendre le pilotage, mais nous allons changer de région, nous allons changer de système, nous allons changer de job. Nous allons reprendre le bounty hunting de la mort qui tue. Quitte à refitter légèrement le vaisseau sur certains aspects, on reverra ça ensemble. On va essayer de voir ensemble si les canons électriques sont viables ou pas une fois qu'on les aura choisi ou non de les mettre. C'est pour ça que je vous demande, chers amis, de bien vouloir mettre dans les commentaires si pour vous il est intéressant de mettre ce genre de canon. En tout cas, pour ce qui est de mes point d'emport classe 2. Donc à vous de me dire ça dans les commentaires, jamais. Dites-moi si le son est fort. Le son me semble peut-être un poil fort, bizarrement, dans mon casque. Mais je sais que j'avais réaugmenté le son pour vous. Donc du coup, je ne me rappelle plus. Non, ça a l'air d'être plus ou moins bon. Ça a l'air d'être plus ou moins bon, donc ça devrait aller, je présume. Ok. Allons-y. Il pleut ? Ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'il pleuvait chez moi, en fait. Oula. Alors, j'ai encore un petit peu de mal avec le pédalier, vous savez. Vous le savez, chers amis. Alors, vous voyez, 11 années-lumière. Ça me prend, on va dire, un bon cinquième de mon carburant. Donc, c'est assez violent. Ah oui, le son est carrément fort. Hein. Le son est carrément fort. Je suis à moins 15 dB, dis donc, mais. Ok, on va le laisser comme ça. Vous me direz dans les commentaires si c'est suffisant ou pas. De toute façon, ça devrait être assez. La vidéo devrait sortir assez rapidement ensuite après le tournage. Donc là, on est lundi pour vous. Donc ça se trouve, elle sort demain, même si ça se trouve. Si je me trompe pas. Demain ou après-demain, je ne sais plus. Je ne sais plus. Nous avons donc la station. Il y avait deux sauts à réaliser. D'accord, j'avais deux sauts à réaliser. Ah, je ne serais pas douté que j'en avais deux à prendre. Merde, quel con! Quel con! Quel con! Ça va plus dans ma tête. Adieu le vaisseau. Adieu tes magnifiques composants. Bon, c'est pas grave. Alors oui, je sais, j'aurais pu, chers amis, balancer un dissipateur thermique, mais non, 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 je veux juste me rendre dans le système. De toute façon, dans ce système là, si je l'ai choisi, c'est ça aussi, c'est aussi parce qu'il y a en fait une station pas trop loin, tout simplement. Du coup, on a qu'à aller voir ce que ça va donner. Le son me semble extrêmement fort. À vous de me dire dans les commentaires, mais dites-le moi très très vite. Faut vraiment que j'ai votre conseil au niveau du son. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de Windows, je suis à 50% dans le son. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Hop, alors, panneau de gauche. Et vous voyez, normalement, voilà, juste ici. Et j'ai pas de RES. T'es sérieux? Oh bah, dis donc, je suis vexé. Alors, c'est une exploitation minière, mais il n'y a pas de RES. La première fois que je vois ça. J'ai vraiment pas de bol. Bon, on va repartir dans la recherche alors. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis vexé. Vous avez pas idée là, chers amis. What? Ah, je suis vexé. Oh bah dis donc. J'ai pas vu venir ce coup-là, là. Ok, bon. Est-ce que là-dessus, je peux avoir les RES disponibles ou pas?
pense pas. Non, je vais pas pouvoir. Je vais pas trouver. Bon bah c'est pas grave. J'aurais bien aimé, mais... Apparemment, il n'y a pas de RES du tout dans ce coin-là. Ok. Oh. Alors là, celle-là, franchement, je l'ai pas vu venir. Mais je suis désolé, je pensais qu'il allait y en avoir. Mais non. Ah, elle a tout, hein. Elle a... alors, elle a les... comment, la voie commerciale de minerai qui part de là. Et elle a le groupe comme quoi c'est une mine. Exploitation minière, mais il n'y a pas de RES. J'ai vraiment juste pas de bol, en fait. Ok. Ok. Il est pas 4h30. Putain, il est déjà 4h30, la vache. Ah, c'est vrai que j'ai passé déjà plus d'une heure à faire autre chose. J'étais même pas chez moi, c'était chiant. Oh. Hop, c'est... Bah alors, c'est bon. Crac, on y va. Hop, allons-y. Ok, on est bon. Tout en respectant le code de la route, hein, vous avez remarqué, enfin le code de... Le principe de vitesse. Alors le 41 est juste là, parfait. Oh, c'est bon. Faut pas m'apprendre à piloter, merci. Entrer dans le hangar, service de spatioport. On va aller voir vite fait. Si on peut pas, voilà, parfait. Réparer tout ça. Alors. Je vais quand même vous le montrer, hein. Voilà, vous voyez, ça part bien de là. Mais non. Vous niaise. 70 crédits, c'est bon, je peux pas mettre de payer 170 crédits pour avoir des infos sur le système. Qu'est-ce qu'il y a dans cette station? Pour avoir plus d'infos. Appontage, contact, carburant, réparation, ravitaillement. Parfait, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, donc on pourrait peut-être aller là. On va bien voir, hein. Hop, allons-y. Crac. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je ressors illico presto, hein, comme on dit. Hop. Je vais peut-être aussi refaire revenir l'interface classique, la couleur d'interface classique. Pourquoi, cher Denis? Simplement parce que j'ai pas l'habitude, en tout cas, si je veux me remettre au combat. Je préfère véritablement avoir quelque chose de net. Et vous voyez que entre le bleu très clair et le vert très clair, j'ai un peu de mal à trouver mes cibles. N'exagérons pas non plus, hein. Hop. Allons-y. Crac. Et on est bon. Un petit coup de boost. Mais non, ça sert à rien que tu me scannes. Oh, je suis désolé, cher ami. C'est bon, on a terminé, circuler. Parle-moi mal, t'as raison. Allez, serrez les fesses et croisez les doigts, ou croisez les fesses et serrez les doigts. Nous verrons bien si, oui ou non, nous arriverons à avoir un RES dans ce système dans quelques secondes. Bousille pas mon épisode. Sinon, bah écoutez, je partirai sur Nightis, hein, je retournerai sur Nightis et puis on verra bien. Algernon Shashenstar vient de se connecter. C'est la personne que j'ai ajoutée tout à l'heure en plus, je crois. Je suis allé tellement vite. J'ai tellement pas envie de gâcher votre temps. Ah, ça tourne. Bon alors, RES ou pas RES? Telle est la question. Et pas de RES, hein.
Pas de RES. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai l'impression de faire du caca. J'ai l'impression de faire du caca. Tiens, là, il y a un bon truc qui s'appelle Norn. Essor économique. Ah. Ah, ah, ah. Ah, puis il y a des planètes comme ça, c'est cool. Elle est loin. Oh, elle est vachement loin. Non, non. Retour. Volinians. Volinians. Erfol. On va commencer par aller là. Puis au pire d'accord, on ira à Brune ou à Kashakapa. Hop, allons-y. Wouhou. C'est parti, mon zizi. Hop. Enfin, il n'empêche que pour l'instant, je gaspille votre temps, hein. Je veux pas dire, mais... Donc oui, donc parlez-moi des railguns dans les comms. Parlez-moi aussi, si vous avez des astuces, des conseils, tout ça, à donner à la communauté et à partager. Je serais ravi de le faire avec vous. Donnez votre avis sur le fitting du vaisseau, hein, si vous avez d'autres idées en règle générale, je suis preneur. Alors apparemment, de ce que j'en ai vu, c'est principalement dans les RES qu'il y a ces railgun NPCs qui ont des capacités de malade. Bah non, ça a l'air... Ouais, mais y'a rien là, effectivement. Là aussi, y'a pas de RES, quoi. Je suis désolé. Sincèrement, chers amis, je suis désolé. Hop. RES ou PAS. RES ou pas, quoi. Oui, on y va, j'accélère, c'est bon. Hop. Ce sera le nom de l'épisode. Oh, le bruit, j'ai l'impression que le son est mille fois trop fort. Bah, dites-moi aussi pour le son dans les commentaires aussi, du coup. Si le son est trop fort ou pas, dites-le dans les comms, ça serait sympa. Merci à vous. Alors. Croisez les fesses et serrez les doigts. Attention! Ah, j'ai plus de voix si je continue à faire ça. Allez! Hop! Boum! Et... Balise de navigation, on va aller voir. Où es-tu? Trou du cul. Elle est de l'autre côté. Fais gaffe, Marcus. Un tantinet. Si c'est possible de faire attention. En tout cas, malgré tout, il y a du monde, hein, je veux pas dire, mais... Je le sens mal, cette histoire. Je sais pas pourquoi. On va aller voir à Brune plutôt. En tout cas, le fait est qu'on ne trouve pas le moindre RES. Hein. On est en essor économique à Brune. Ça m'inquiète un peu. Hop. Beaucoup de sauts pour pas grand chose finalement. Hein. Ça m'inquiète. Alors. Parfait. Et ici? Rien non plus.
Quand je vais voir le nom, je vais le retrouver. Kashakapa, voilà. T'es sérieux là? Allez, on y retourne. On trouve rien. Hein. En termes de RS, c'est violent. Hein. Peut-être que cette fois-ci, on va en trouver. Bon. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'inquiète. Et une fois de plus, je n'ai rien. What? What the fuck? Missire. Mais non, mais c'est... C'est quoi ce bordel, quoi? Ah. C'est loin. Ah, oh, c'est loin. J'ai intérêt à faire le plein sur le soleil. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais commencer mon trajet vers Nightis. Mais nous allons nous laisser là. Bah écoutez, je suis désolé, j'aurais préféré vous montrer autre chose, hein, mais... Et comme vous le voyez, le jeu est contre moi aujourd'hui, donc c'est pas bon signe. Donc je préfère faire du voyage, simplement, et arriver dans un endroit où je sais qu'il y aura du combat et de l'action. Donc eh ben écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens, j'espère que la prochaine fois, je ne serai plus malade. Ce serait vraiment cool. Salut.